Aujourd'hui, c'est coloré avec tous ces produits de la marque Laufen qui viennent de rentrer dans la boutique. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ces produits-là. J'aime beaucoup, c'est un style vraiment différent. Donc, on a un petit bloc de papier. Je vais l'ouvrir parce que je l'ai pris pour moi pour voir comment c'était. Vous en avez un en stock dans la boutique et j'en recommanderai plus tard si vous en voulez. Parce qu'on a déjà des papiers de chez Minté qui font des fonds aquarellés et colorés et qui peuvent très bien aller avec. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, pour vraiment voir ce que c'était au niveau de la qualité et des coloris. Alors, je vais vous dire mes petits coups de cœur. Donc, ce sont des fonds motif aquarelle, donc c'est une belle qualité de papier. Alors le grammage, je le trouve pas là, c'est pas marqué, mais ça fait bien 200 grammes. Hein. Je pense que ça fait 200 grammes. Donc on a un coordonné petit pois avec les coordonnées fond aquarellé. Donc tac 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 tac, voilà, je vous passe. Vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a 36 feuilles et c'est juste recto, il n'y a pas de verso. Hein. Donc ça pour la carterie ou les petits albums, c'est génial. Donc c'est le thème exotique. Donc on a des pochoirs avec des feuilles. Alors là, oui, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, je vous le montre dans ce sens. Donc ce sont des feuilles de plantes grasses ou de plantes exotiques. Vous les avez ici en dies. Donc ils sont vraiment d'une belle taille. Ce sont des produits de très belle qualité. Il y a également assorti les fleurs d'hibiscus. Vous voyez, avec les petits pistils ici, les plus petites comme ça. Vous avez des tailles différentes, des feuillages encore. Donc un feuillage dans un sens, un dans l'autre. Donc là, vous allez pouvoir faire des super albums. Donc avec ça, dans la série, il y a. Alors c'est un peu le bazar là. J'ai tout reçu en vrac. Donc je vais vous sortir ça. Ah oui, il y a un dies d'herbe. Alors regardez comme il est grand. Donc ça, il est long, vous pouvez le passer en deux fois sur la machine, hein, il n'y a pas de problème. Ou si vous avez un plateau long, bon ben ça passe encore mieux. Donc ça, c'est un feuillage qui fait exotique, mais je l'ai vu, ils l'ont utilisé aussi pour faire un feuillage d'algues marins. Donc ça, c'est intéressant, ça change. Pour ce qui est exotique, donc on a des dies qui sont coordonnées avec les tampons, les planches de tampons. Donc il y a des textes sur les toucans, enfin tout ça. Merci, bisous bisous quoi. Et puis vous avez les branches, les toucans, les panthères, les feuillages, les petites fleurs d'hibiscus et papillons, tout ça avec les dies qui vont avec. Donc ça c'est un premier assortiment qui va avec cette collection exotique. Vous avez, sinon, si vous voulez pas prendre tout ça, vous avez le paresseux avec le tampon et le dies du paresseux. Donc ça, vous les trouvez dans la rubrique des tampons, dies plus tampons. Ensuite, j'ai pris sur un petit côté marin. Donc j'ai pris, alors, où sont les tampons qui vont avec? Voilà, la baleine. Avec les petites bulles et les tout petits poissons. Alors il y a marqué c'est fantastique, une belle journée. Voilà, au niveau des petits tamponnages texte. Vous avez des yeux aussi là à tamponner. Vous pouvez rajouter des yeux sur les poissons ou vous amuser ou faire des bulles avec. Vous avez l'aileron de requin là aussi, c'est super joli. Il y a des modèles de cartes qui sont en photo sur les dies de la boutique. Vous regarderez, c'est super mignon. Et après, j'ai pris aussi, alors ça c'est pour moi, enfin pour moi, je l'ai pris pour moi parce que je vais l'utiliser, mais j'en ai pris pour vous évidemment parce que vous allez me dire, mais on les a où? Donc j'ai pris ça, donc il y a les dies avec, donc ce sont c'est une petite sirène. Il y a marqué splatch, faire un splatch dans l'eau. Il y a des petites bulles et un petit bandeau de poisson. Donc ça, et ça, vous pouvez la sortir enfin,
l'ajouter aussi si vous voulez pour faire des cartes. Moi j'ai pris ça parce que ma petite fille elle fait de la natation synchronisée et du coup je vais lui... bon elle a 6 ans hein. Je vais lui faire une petite carte avec, j'ai truc ou un album, je sais pas, c'est trop mignon, j'ai craqué pour ça, j'ai pensé à elle de suite quoi. Voilà, donc ce sont mes petits coups de cœur de la marque. Il y a aussi des pochoirs donc avec de l'herbe. On voit pas trop, voilà. Donc il y a de l'herbe ici, une découpe et ici une découpe différente. Donc pour faire des fonds avec des herbes, des champs d'herbe. Ici vous en avez trois dice différents, donc avec deux, un côté en tout cas. Je sais pas si le deuxième côté. Ah si, voilà. Vous avez les deux côtés de chaque pochoir. Qui a une découpe différente, donc ça vous fait trois pochoirs ici, découpes différentes pour faire la mer. Et vous avez aussi, alors ça c'est le même, oui, et vous pouvez l'utiliser aussi pour faire un ciel un petit peu nuageux. Donc ça, et vous avez, bah oui, cela je vous l'ai montré tout au début, donc toutes les feuilles de plantes exotique. Donc voilà pour cette petite colle. Ah, j'ai aussi oublié quelque chose. Il y a cette découpe Happy Birthday, joyeux anniversaire. Vous pouvez rajouter dessus des tout petits personnages. Vous voyez, par exemple, la petite sirène sur le côté, ou les poissons. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était sympa. Il y a une photo, il y a plusieurs photos donc sur le site de la boutique. Et ils ont mis, ils ont fait par exemple un shaker à l'arrière. C'est super joli avec des petits. Des petits sequins dedans, donc ça, donc voilà. Ben j'ai fait le tour là pour les fleurs d'aloe vera, c'est magnifique aussi. Vraiment, ils ont fait de très très belles cartes. Donc voilà mon petit coup de cœur, les petites nouveautés. Donc ça vraiment, c'est trop chou quoi. J'ai adoré, j'espère que ça vous plaira. Eh bien, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt !